Elle n'avait que 11 ans. Elle s'appelait Patricia Maignan. Elle habitait aux 4 rues Beauregard à Besançon. Cette petite fille, c'était moi. Je n'avais que 11 ans quand ma mère m'a emmené voir un drôle de médecin dans une clinique. Elle m'a fait passer un examen médical bizarre. Pas agréable du tout. Pendant que je me rhabillais, je l'ai entendu dire à ma mère que j'avais le col déjà bien ouvert. Je n'avais que 11 ans. Je ne savais plus ce que cela voulait dire. Je pensais que le médecin annonçait à ma mère que je n'étais plus vierge. Je me disais que maintenant qu'elle savait, elle allait enfin me protéger. Qu'elle allait enfin mettre un terme à ces 8 ans d'années de viol réguliers que je subissais de mon propre père. À la sortie du cabinet de gynécologie, j'attendais que ma mère pose un regard sur moi. Qu'elle me questionne, qu'elle me prenne la main, qu'elle me dise qu'elle m'aime. Je n'avais que seulement 11 ans. Tout le trajet de retour à la maison s'est déroulé sans un seul mot. Son regard était noir, glacial, fixant un point invisible. Loin, très loin à l'horizon. Quelques jours après, j'ai été hospitalisé d'urgence pour une appendicite aiguë. Il n'y avait, paraît-il, plus de place au service enfant. J'ai donc eu une chambre seule au service maternité. C'était le 17 septembre 1971. Suite à l'intervention, les sœurs infirmières me faisaient des piqûres 3 fois par jour. Et l'une d'entre elles me faisait très très mal. Elle me disait « C'est tout ce que mérite une mauvaise fille comme toi ». Puis les années ont passé. Ma mémoire a refoulé cette histoire jusqu'en 2011. Lors d'une relation intime. On me pose des questions sur ma césarienne. Je n'avais jamais vu ma cicatrice. Mon médecin traitant m'avait bien confirmé l'existence de cette cicatrice, pouvant faire penser effectivement à une césarienne. Depuis, ces cauchemars apparaissent. Réminiscence de mon enfance, notamment ce rêve où, enfant, je me fais opérer. Mes yeux s'en trouvent juste un moment et je vois un médecin tout en blanc, sous de grosses lampes. Il est à mes pieds et tient un bébé par une jambe, au-dessus de moi. Puis je repars dans les bras de Morphée. Imagination, réalité, soit. En 2011, je décide de prendre contact avec la clinique La Moulière, où tout ceci s'est déroulé, pour trouver des réponses à mes questions. La secrétaire est sidérée de mon histoire et s'empresse d'aller consulter des archives. Elle avait bien pris note de mes noms, prénoms, adresses, nom d'épouse, le nom du gynécologue post-opératoire, la date des faits, je n'existe plus. J'ai été suivi par ce même gynécologue jusqu'en 1995. J'ai donné naissance à 2 enfants. Je n'existais pas. Je n'existais plus. Je poste de cette vidéo. Je ne veux aucun commentaire d'empathie. Je veux juste trouver des réponses. Me faire aider dans mes recherches. Faire tourner au maximum ce poste. Cette petite fille de 11 ans a le droit de connaître sa vérité. Quelles que soient les réponses, elle ne veut plus jamais être victime. C'était l'histoire de Patricia Maignan. Partagez cette vidéo, peut-être pour l'aider à trouver des réponses.